trottoir quoi. Micro-trottoir. Oui. Vous encore? Oui, on est là toujours. D'accord. On va te poser quelques questions. Quelques questions? Oui. D'accord. Bon, selon toi, quels sont les deux personnages les plus populaires du Togo? Même si on parle d'eux à l'extérieur, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Arabie Saoudite, en Côte d'Ivoire, en Sénégal, partout dans le monde, on saura que ça, c'est l'empreinte du Togo. Les deux personnages les plus populaires du Togo, même à l'étranger, quand on parle d'eux, on saura en même temps que c'est le Togo. Ces deux personnes, premièrement, il y a le chômage. Jesus is Lord. Le chômage, c'est quoi? La famille. Tu vois? Les deux personnages là, même à l'extérieur, en Espagne, en Argentine, au Portugal, aux USA, partout dans le monde, quand tu dis chômage et la famille, on saura en même temps que c'est le Togo. Je t'assure. Oh, c'est bon. Le moment. God, c'est bon. You think they are wise? Yes, of madness. Bon, je vais te poser une seconde question. Quels sont les avantages d'être né au Togo? Il y a plusieurs avantages. Continue. Les avantages d'être né au Togo, il y a plusieurs. Premièrement, New TV. New World TV. This man. La télé TVT. Yes. Il y a Gozem. Jesus! Yeah, only. People are only qualified yeah, to guide. Fontaine, we need to be quiet. La farine. Bon. Jesus! Il y a Sophie. This man! Il y a la farine mort. Galikou. Five lines. Voilà, il y a Kanzo. Jesus is Lord! On prépare le reste qui colle à la marine. Là, le bas, le noir là, voilà, le Kanzo. La majorité l'appelle Pays-Bas. Tu vois? Merci. Pays-Bas, voilà. Avec voilà les avantages. Là où joue le jeune gâteau. Voilà, c'est pourquoi il joue au Pays-Bas. On lui a surnommé gâteau. Le Pays-Bas, c'est gâteau. C'est le sens du nom même quoi. Merci monsieur, je suis très fier de comprendre ce que veut dire gâteau maintenant. Voilà, c'est merci. Ça. Merci, à bientôt. À bientôt. Il y a quoi encore?